Pour un départ environ à quelle heure? 19 juillet 2007, 18h TU. On devrait avoir une vingtaine de nœuds dans le bon sens. Et après, ça devrait sortir 25 mètres au-dessus vers Terre-Neuve. Ça a un peu faibli par rapport au météo d'hier, mais toujours largement suffisant pour la première partie. Et bien, jusqu'à une demi-journée après Terre-Neuve, c'est pas mal. Et après, après ça se complique beaucoup. Par le bon, a été donné de cette course mémorable le jeudi 19 à 18h02 TU, approximativement bien sûr. Alors, c'est de deux réglages de chute à la permanente du radar en fait, car on voit pas pratiquement pas l'avant du bateau. Ben ça allume avec un vent qui est très sud, qui nous oblige à faire plutôt de la vitesse, enfin il faut essayer de descendre dans le vent, donc c'est un peu sport, mais il faut changer pas mal de poids, on a fait beaucoup de manœuvres. On essaie de faire le temps possible dans les manœuvres pour voilà, et bien ajuster notre trajectoire. Et sinon, aucune visibilité depuis non plus. C'est le 15 août à Terre-Neuve. Là, il y a de la brume, ça s'éclaircit par moment. Puis on avance vite, donc c'est bien. C'est quoi ton bateau là? Ouais, bien, mon équipage. Ah, bravo Paul, bravo. Gros record du bateau quand même, non? Ouais, 24 heures à 32 de moyenne, c'est vrai que c'est un bon début pour la traversée. On a battu le record de Orange d'un nœud, de 24 000 en 24 heures. Déjà mon tour d'Orange, c'était quelque chose qui était une grande performance réalisée l'an dernier. C'est-à-dire que le bateau est capable aussi d'aller vite dans du vent. C'est un bateau quand même qui est plus petit qu'Orange, beaucoup plus léger. Et malgré tout, on peut battre Orange sur son terrain, c'est-à-dire le terrain de la puissance et l'allongement. Oui, c'est passé quoi, Franck, alors? Ben écoute, on a cassé le feuille bâbord. J'avais un petit doute sur la fabrication et finalement, là, on n'a plus de doute. C'est vraiment un problème d'échantillonnage. Il reste toute la partie qui est à l'intérieur du flotteur. Ça a été net au ras du flotteur. Il reste quelques petites écharpes de carbone dans l'eau. Fait quoi là? J'ai été voir s'il y avait de l'eau dans le flotteur, parce que le feuille est cassé.
de l'eau qui était rentrée dans le flotteur. On arrive de moi à démarrer, à mon avis on perd toujours facilement deux nœuds quoi. Enfin deux nœuds donc. Donc vivement comme en panne. On a encore 5-6 heures à faire comme ça avant d'en parler. Après, on récupérera tous nos moyens, je sais. Tu nous fais quoi, Fred, là? Un truc assez improbable. Du poulet au fromage. Du poulet au fromage, c'est un truc hollandais, ça? J'ai peur que ce soit ça. Alors, Franck, t'as bien dormi? Ça va. T'es sur ton car? Ouais. Décarte combien de temps? 3 heures. 3 heures chari, 3 heures dessus, 3 heures stand-by, 3 heures au lit, c'est ça? C'est ça. Bravo. Mais en plus, c'est même pas du fromage suisse, c'est du fromage hollandais, je pense. C'est ça qui est une catastrophe. Un petit peu d'huile d'olive et son soja, c'est pas mal, hein? Ouais. Bientôt l'empanage. C'était quoi? Avant on a déroulé le solène sous le génac, après roulé génac, affalé, rangé. On a 25-26 nœuds de vent là, on a une petite mer, c'est ça qui pose un petit peu de problème sur ce type de record, c'est pas tellement le vent mais c'est la mer. Là on est dans du 32 moyen on va dire avec entre 24 et 25 nœuds parce qu'on n'est pas complètement encore rentré dans cette traîne donc le vent n'est pas tout à fait stable et d'ici 3 heures on aura un vent plus stable et je pense qu'on arrivera à faire des cadences plus soutenues et déjà plus homogènes. Très courte et ça se coupe pas mal. Pour l'instant il y a tout qui tient mais on va voir comment on va finir. On a déjà cassé deux manettes à l'intérieur. Et donc voilà, ça se coupe beaucoup. On essaye de calmer le jeu et de rester autour de 25 nœuds. Mais il y a des chocs très très violents donc c'est pas idéal. C'est pas idéal du tout et voilà, on attend que la mer se calme un peu. Mais bon, on n'a jamais été aussi proche de l'arrivée, donc ça c'est difficile.